Alors, bienvenue à la résolution de cette énigme-ci, qui en est une quand même relativement facile. Alors, j'alterne entre les faciles, les moyens, puis les difficiles. Alors, celui d'aujourd'hui, c'était dans le fond basé sur le jeu de Mastermind, là où il fallait trouver une combinaison gagnante et dans laquelle ben, on a des indices, à savoir si la couleur dans le Mastermind ou ici les chiffres, ils sont bien placés ou mal placés. Alors, dans le problème initial, je vous avais donné cinq affirmations. Je me suis rendu compte en résolvant par moi-même après qu'il y avait une information inutile de trop. Donc, dans ma correction, ce que j'ai fait, ne soyez pas surpris, je vais enlever la combinaison 2. Ben, en fait, l'indice 2, je me suis rendu compte que c'était inutile à part juste pour la vérification. Mais bon, on peut vérifier avec notre réponse, tout simplement. Donc, je vais enlever ça, ce qui rend le problème plus attirant, parce qu'on se dit, on a juste quatre indices, plus intéressant. Bref, alors, j'avais ici les cinq indices, cinq nombres à quatre chiffres, puis ça indiquait le nombre de bons chiffres qui étaient bien placés ou le nombre de chiffres qui étaient mal placés. Alors, premièrement, ce que je me suis dit, à partir de l'information 3 et 4, donc ça ici, donc, à 3, je sais qu'il y a deux bons. Et à 4 ici, je sais que j'ai un bon. Seulement, il n'y a pas de mauvais, de mal placé lorsqu'on dit juste ça. Donc, première déduction, il n'y a pas de 8. Pourquoi? Parce que si le 8 est là, ce serait donc un des deux qui est bien placé. Donc, ce serait sa place parce que c'est indiqué bien placé. Et donc, en étant ici, ben, il ne pourrait pas avoir un bien, il serait un mal si c'est le 8, parce qu'il n'est pas à la même place. Donc, j'ai déduit qu'il n'y a pas de 8. Intéressant. Puis autre chose, puisqu'il y en a au moins deux de bons ici, je sais qu'il y a au moins un 7. Hein, parce que j'ai soit 7-4 ou 4-7, qui est la même chose, hein, 7-4, ou 7-7. Fait que j'ai au moins un 7. Puis, puisqu'il y a un 7 ici et que c'est indiqué juste un de bon, forcément, on parle de ce 7-là et on dit qu'il est bien placé. Donc, on parle de ce 7-là. Et voilà. Donc, on sait qu'à la fin, ça se termine par un 7. Maintenant, est-ce qu'on parlait d'un 4 ou de l'autre 7 pour le deuxième bon? Pour l'instant, on ne sait pas. OK, alors c'est ça. Donc, de l'indice 3 et 4, on sait qu'il n'y a pas de 8 à la fin. On sait qu'il y a moins 7. Et on sait qu'il est placé à la fin. Donc, étant donné qu'il n'y a qu'un seul de bon ici à l'indice 4 et que c'est le 7, on sait donc qu'il n'y a pas les autres chiffres. On sait qu'il n'y a pas de 8, on le savait déjà. Et on sait qu'il n'y a pas donc de 3 ni de 9. Alors, c'est ce que j'ai indiqué ici. Donc, de l'indice 3 et 4, on déduit beaucoup de choses. Il n'y a pas de 3, 8, 9. Hein, ils n'appartiennent pas à la réponse. Et on sait que ça se termine par 7. OK, alors ça, j'appelle ça comme l'indice 6. Ce qu'on sait. Ça finit par 7, puis il n'y a pas de 3, 8, 9. OK. Alors, de 5, 3 et 1 ici. Alors, de 5, 3 et 1. L'indice 5, 3 et 1. 1, 3 et 1. Alors, ici. Le 8, 7, 4, 7, il y en a donc deux de bons. On revient à ça. Ici, dans le 1, en fait, j'ai écrit de 5, 3 et 1, c'est le 6, hein, l'information 6 que j'ai ici, pardon. Donc, je vais écrire un 6. Pardon, je me suis mélangé dans mes propres indices. Donc, de ce qu'on vient de trouver, l'indice 6, qui n'a pas de 3, 8, 9, et je prends l'indice, donc 3 et 1. Donc, 3 et 1. Qu'est-ce que ça dit ici? Que, bon, on a soit un 7 ou un 4 comme autre chiffre. Supposons que c'est le 4. Est-ce que ça marche avec l'indice 1 ici? Alors, on sait qu'il n'y a pas de 3 ni de 9 grâce à l'indice 6 qu'on vient de trouver. Il n'y a pas de 3 ni de 9, ni de 8. Donc, il n'y a pas de 3 ni de 9. Donc, les 3 qui sont ici sont éliminés. Il n'y a pas de 9.
n'y a pas de 8, mais ici, ça ne concerne pas. Forcément, il y a un 4. Et le 4 qui est ici, ça veut dire que c'est celui-là. Il n'y a donc pas un deuxième 7. C'est forcément ce 4-là. Il est bien placé. Et ça fit avec le 4 ici qui dit qu'il est bien placé. Donc, de l'indice 6, qui est lui que j'ai trouvé, le 3 et le 1, je déduis qu'il y a un 4. Et le 4, elle est placée à cet endroit-là. On a donc trouvé les deux derniers chiffres. Ensuite, de 5 ici, bon, là c'est véritablement le 5, le vrai 5. On déduit qu'il y a un 2 et un 6. Il y a forcément un 2 et un 6. Pourquoi? Parce qu'on dit qu'il y en a deux qui sont mal placés. Mais ça ne peut pas être le 3 et le 8 parce qu'ils sont éliminés de notre liste, le 3 et le 8. Donc, c'est le 6 et le 2. Mais ils sont mal placés. Ben, il restait juste les deux premières places de libre. Juste les deux premières places de libre. Le 6, je l'ai mis à la deuxième place. Et il est mal placé, puisqu'il ne peut pas être dans les deux derniers et qu'il ne peut pas être à la deuxième place. Forcément, il s'en vient à la première place, obligeant le 2 à aller à cette place-là. Donc, ce que je remarque, c'est que j'ai utilisé donc l'indice 3 et 4 au début. Ça a provoqué un 6. Avec le 6, ensuite, le 3 et le 1, j'ai pu déduire autre chose qui a provoqué le 7. Et ensuite, j'ai utilisé 5. L'indice 5. Je n'ai jamais utilisé l'indice 2. C'est pour ça que dans mon énoncé, je vais l'enlever et je ne l'aurai plus, ce qui va rendre l'énigme plus intéressante. Mais on peut utiliser le 2 dans ce cas-ci maintenant pour vérifier. Hein, ça disait quoi le 2? Il y en a un seul qui est mal placé. Il y a le 2, 9, 1, 5. Le 9, 1, 5 ne font pas partie de la solution. Puis le 2, il est là mal placé. Et effectivement, il est à la deuxième place. Il n'était pas à la première place. Alors, c'est tout pour cette énigme-ci. Merci.